Ouais, tout le monde, comment ça va la pêche? La banane, la poire, le potiron, comment ça va les frérots? Tout le monde va bien? Je vois mon petit frère par ça. Mes parents sont pas là, je suis au bout de ma vie. Ah, ça va, c'est rien. Qu'est-ce que ça dit la famille? La pêche? Tout ça, on est ambiance funky un petit peu. La musique, c'est pas trop fort, c'est bon là? Yo Xilox, ça va quoi mon ref? Atypique, ça va quoi BG? La pêche? Ah, ce soir c'est la charia les frérots, ce soir c'est la merde, hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Ah, mal à la tête moi. Des cuves là. Jake il s'est rapta hier. Yo Fento, qu'est-ce que ça dit mon ref? Ah, ce soir c'est la merde atypique ce soir. Ce soir c'est la grosse méga giga merde. Ce soir c'est la grosse giga méga merde, frérot. Vous vous rendez pas compte. Allez, ça commence. Direct. Non, je pense pas que je vais me rebourrer la gueule. Ce soir là c'est kharia. Ce soir là c'est kharia les refs. Je vous jure, ce soir vous êtes pas prêts, il va y avoir des sets de ouf. Mais pourquoi vous voulez tous que je me cuite, ZB? Vous êtes des psychopathes. Regardez-moi celui-là, il sort de l'hôtel, tranquille. Hop là. Pourquoi vous voulez que j'aille au Moulin Rouge, les frérots? Pourquoi vous voulez que j'aille au Moulin Rouge? Dites-moi juste, j'aimerais bien comprendre. Je vais aller à l'hôpital tranquille, j'ai reçu un coup de téléphone, peut-être des messages. Ça c'est papy. Ah ouais, hier j'ai fait n'importe quoi, putain. Ouais, là c'est bon, je crois que j'ai compris. Valentina, comment ça j'ai parlé avec Valentina? Oh putain. Hein? Oh là, j'ai bloqué fiston, j'ai bloqué des règles. Là 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 là. Jake, il est dans le bousin là les frérots. Qui c'est qui m'a appelé? C'est qui ça? Altab, merci beaucoup pour ton follow. Oui, allô? Oui, vous m'entendez? Oui, je vous entends et vous m'entendez? Oui, c'est bon, excusez-moi, je vous entends très bas. Est-ce que vous voulez que j'organise la réunion pas à 30? Quelle réunion? Le dispatch, je voulais dire. Non, on a une réunion de base à... Ah oui, la réunion, ok. Bah écoutez, de toute façon, moi j'arrive là, j'arrive à l'hôpital. Je les mets dans le bureau, sur le corps, ou alors... Alors attendez juste un instant, je vous entends très mal. Alors, je vous ai dit, est-ce que vous voulez que j'organise, je les mets sur le toit à 21h30, ou vous gérez? Comment ça, organiser la réunion? J'arrive là. Moi je suis en train de... Bah, je suis en train de les mettre sur le toit et... Ouais, allez-y, allez-y. C'est exactement ce que okay. Je dis. Allez-y, j'arrive, moi je suis sur le chemin. D'accord. A tout de suite. Les gars, je sais pas ce qui va se passer ce soir. Hein. Yo Kilo, ça va comme mon ref? La pêche? Ah, ce soir c'est la merde mon kilo rose. C'est la grosse merde. Vas-y, vas-y, va Malice, va. Il y a eu clairement dispute les gars, hier elle m'a quitté par téléphone, Zebby, la honte pour Jake. Par téléphone frère, tu te rends compte? Vous étiez pas là hier? Pour vous faire un débrief rapide, Honoré il est parti voir ses parents, mais elle l'a caché à Jake. Et Jake il a craqué en fait. Il est parti de ça, je me suis bourré la gueule, mais d'une force, frérot. Et elle m'a clairement largué au téléphone, t'as vu, alors qu'à la base, c'est moi, je voulais la larguer. J'ai la haine. Mais c'est pas grave, on va voir comment ça va se passer ce soir. Qui sait, peut-être qu'on va se remettre ensemble. Hein. Excellente question. I'm bad, you know.
Les gars, on est dans la merde ce soir, je vous le dis. On est méchant dans la merde. Oliver, il va en profiter. Ah frère, on sait pas ce qui va se passer dans la suite du RP, mais ça peut être intéressant. Hein. Ça fera des scènes, les refs. Moi, je vais aller me changer tranquille, calme, pépouze. Jack, ça y est, il en a marre, il a craqué. Jack, ce soir, il va prendre de la weed et tout. Il va fumer, Jack. Jack, ça y est, fume. 69 pour Oliver. Ah, Altal, frérot. Je te le garantis. C'est plus compliqué que ça. Ça, pareil, c'est pas un parking ici, bordel de merde. Bonsoir. Mais c'est pas une amende qui m'a coûté sur le compte. Bonsoir, monsieur. Carletito, merci beaucoup pour ton follow. Ah, c'est monsieur Jack. Oui, oh, c'est moi. Ah, ça va, je vous ai vu. Oui, ça va super. Ah, bon, ah, ça fait un bail que je vous ai parlez vu. Pas, hein. Parlez pas très fort, j'ai très mal à la tête. Ah ouais. Ah, dure soirée hier, ouais. Ah ouais. Oh, c'était dur hier, hein. C'était dur, hein. Ça va, ouais, c'était dur. C'était dur. Ouais. Pas si bien que ça, les gars. Ouais, ouais. Allez, avec moi, toi. Et ça, t'es ça, qu'est-ce que changer. Dis-moi. T'as quelle heure là, la soirée dont tu me parles là? Je sais pas. Ah, il y a une soirée? Ouais, bah, bah, ce qui paraît, hein. C'est blanc et noir le thème. On va y aller, hein. C'est cool. Cool, cool. On va aller dans le thème. Ils ont répondu à l'alcool là, ça y est. Viens, t'es ça, viens. C'est vrai que vous êtes dans le thème, vous, de toute façon. Ah, mais pas en jogging, monsieur, vous savez que je suis un homme de classe. C'est juste que j'ai dormi dans un hôtel miteux, je sais même pas qu'est-ce que j'ai foutu là-bas. Vas-y, vas-y, vas-y. Écoute, tu sais pas pourquoi tu t'es enfoncé. Vous savez, vous avez un appartement, monsieur Jack? C'est Jack? Oui, monsieur le président. Non, oui, vaut moi. Bah oui. Ah, oui, j'ai une maison et tout. Ah, s'il y a un problème, appelez-moi, écoutez. Je trouve un appartement en plus. Je vous donne l'argent, moi, encore, non? Pardon? Je vous donne l'argent, non? Moi? Bah oui. Vous me devez combien déjà? Je sais plus. Attendez. Oui, vous me devez de l'argent. Oui, oui vous me devez de l'argent, mais combien? Moi, je vais me charger, j'arrive. Quand je serai payé, ouais, je vous paye. Ah, donc vous n'êtes pas payé. Ok. Là, vous me devez. Ça, vous me devez. Je suis pas payé, ouais. C'est la hesse. Who's back? Zabi. Non, non, je vais mettre ma tenue à moi. Oh, mon frère, j'ai mal à la tête horrible. Bah comme moi hier. Pour ça que j'ai pas bu. Ah non, hier j'ai pas bu. Non, non, moi hier j'ai eu mal à la tête. C'était avant-hier, j'ai quitté. Attends, je vais jouer. C'était pas une excellente soirée hier. Ouais, pas pour toi, effectivement. Ce qui t'est arrivé est arrivé. Ouais, en particulier de ma faute. Hein, sur moi, c'est un petit peu. Ah, c'est Tandax. Non, c'est Tandax. Fini. Non, c'est Tandax. Si, si, dans mes souvenirs, elle m'a largué au téléphone. Ah, au téléphone? Ouais. Désolé. Ah ouais. Au téléphone. Des Coca-Cola à 30 euros, elles ne remplissent même pas. À des poissons plastiques. Désolé. Ah oui, j'ai des gros rats. Des big rats. Mais les gars. Vous avez dit quoi, madame? Monsieur Jack, monsieur Jack. Oui, monsieur Brad, dites-moi. Désolé, je prends 5 minutes de votre temps. Vous pourrez regarder sur l'intranet pour parce que je travaille pas au SAMU sur l'intranet de. Ah, okay. Je vous rassure, moi non plus. Ah d'accord. Voilà. Désolé les gars. Non mais j'ai pas accès à l'intranet du SAMU quoi. Ah ok, je. C'est ça que je veux dire. Donc il faudra qu'on puisse faire en sorte que oui, donc okay. On verra ça un petit peu plus tard. Okay. Voilà, je veux. Oui, non, y a pas de problème, je voulais vous tenir au courant quoi. Qu'est-ce que tu fais, t'es ça? Je me mets un pantage. Je sais que t'aimes bien les gens. Enfin, si vous, vous venez à la concession de moto, je vais vous faire un rabais, monsieur Joe. Oui. Ça va, Denis, tu vas bien? Ça va. Allez, viens, Jay. Oui, j'arrive. Vas-y, oh, avez-vous un modèle qui vous intéresse? Oh là là. Patron, je sais deux pas minutes. Du tout. S'il vous plaît, juste deux petites minutes, monsieur. S'il vous plaît, ouais. Pitié. Merci. Mal à la tête. Mal à la tête, ils font chier déjà. Tank. Oh, moi, je me suis embrouillé avec Lansdad, il m'a cassé les couilles. Pourquoi? Bon, on s'est embrouillé, il a cru que j'allais lui mettre une mise à pied, du coup, il démissionne.
Ah. J'avais pas lui mettre une mise à pied, j'allais lui demander de parler avec toi parce que je lui ai encore dit qu'il fallait pas qu'il sorte de Volvo. Il commence à tous me faire chier là, faire les capricieux des enfants de 8 ans, j'en ai marre. Scène 2. Tu te souviens de ta soirée ou pas? Pas grand chose. Bon ben Honoré s'est fait monter la tête par des recs. Oui, ça je me rappelle de tout ce qui s'est passé avant que je commence à picoler. Et du coup je t'ai emmené dans une soirée pour boire, tu t'es enfui sans boire. Au début tu dis non je vais pas boire. T'as été au Moulin Rouge, t'as picolé. Ouais. Je t'ai récupéré au bout d'un moment, je me souviens plus quand c'est que je t'ai récupéré. Mais je t'ai vu passer complètement défoncé, je savais même pas que t'étais là-bas, honnêtement je te cherchais. T'étais passé, je t'ai chopé, je t'ai gardé avec moi, je t'ai emmené en cellule de dégrisement, je t'ai fait une perfusion avec beaucoup de mal. Tu m'as vomi deux fois dessus. Oh là là. J'ai été prendre une douche, on est reparti, t'étais toujours autant bourré. T'as pris un vélo, tu t'es fait poursuivre par les gendarmes, t'as commencé à lâcher 20 litres de pisse contre un mur. Je suis sûr qu'il y a encore la mare de pisse. Non, arrête, tu me chambres là. Je te jure que c'est vrai. T'as lâché 20 litres de pisse contre un mur devant les gendarmes. Le gendarme, au bout d'un moment, il t'a parlé à l'écart de nous, donc je sais pas trop ce qu'il t'a dit. T'as dit d'accord, je prends note des conseils. Tu t'es rebarré, t'as voulu prendre le véhicule, je suis en train de te conduire, j'ai réussi à repasser devant. Je t'ai emmené chez Allison et 30 et tu t'es réenfui et vu que j'avais vraiment aucune idée pour là où t'étais, je t'ai plus cherché, donc je sais pas où c'est que t'as fini hier soir. Moi je me rappelle juste d'avoir décuvé un petit peu et d'avoir reçu un appel de mail où elle me dit que c'était fini. Ben, j'espère encore que c'est une hallucination parce que j'étais bourré, mais tu m'as envoyé attrape Moï si tu peux. Oh là là, j'ai fait n'importe quoi. J'ai appelé une certaine Valentina, j'ai appelé Papy. Je sais pas. Enfin, j'appelle Moï. J'espère que je me suis trompé. J'espère qu'elle m'a pas quitté. Davis vient de m'envoyer, t'es ça, je viens d'apprendre que ton pote oui, est mort, oui, mon ça pas, va et t'es mon frère. Ouais, toi Moi ça va, ouais. Dis-moi, t'es où? À la maison. Pourquoi? Ok. J'ai pas dormi à la maison, moi, je sais plus grand chose de ce qui s'est passé hier. Ah oui, ben ouais, bah, vaut mieux pas que tu saches. Bon, je te laisse parce que je dois aller travailler, enfin voilà. Bah, je suis à l'hôpital aussi, maintenant. Ok, bah... Attends, j'ai juste une question, j'ai un souvenir, je sais pas si c'était une hallucination ou pas, mais il me semble que tu m'avais quitté par téléphone, je me suis trompé ou pas? Non, c'est réellement ce qui s'est passé, donc voilà. Ah. Ouais, tu es arrivé à un point où tu as réussi à me pousser à bout, donc voilà quoi. Je pense que... C'est fini ou... Et genre, tu m'as dit ça parce que t'étais en colère et... Non, c'est vraiment fini. Je suis... Voilà, je pense que le trop-plein d'amour qu'on a l'un pour l'autre est juste en train de nous détruire à petit feu, tu vois. Je sais plus quoi dire, là. Moi, je suis bloqué, là, les gars. Ok. Je te laisse. Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est pas possible, me chambre. Non, c'est pas possible, c'est pas possible. Elle t'a dit quoi? Elle m'a dit qu'elle m'a quitté pour de vrai, que c'était pas une blague. J'ai demandé si c'était parce qu'elle était énervée hier, elle m'a dit non, c'est vraiment fini toi et moi. Par téléphone. Non, Jake, c'est fou de ma gueule, c'est pas possible. C'était ça, c'est pas possible. Jake, hier soir pendant que j'étais à ta poursuite, elle m'a appelé et elle m'a dit. Jake, il fait comme il a toujours fait toute sa vie, il fuit dans l'alcool. C'est faux, enfin, ouais, non, mais j'en ai rien à foutre, c'est bon. Non. Quitter comme une merde au téléphone, je suis quoi moi? J'ai pas de dignité moi, je suis pas un homme. J'ai autre chose à te dire. Quoi encore? Hier j'ai fortement énervé Honoré et Derek et Honoré m'a clairement dit que la prochaine fois qu'on se reverrait ce sera entre quatre planches. Oui, on verra bien ça. Et j'ai franchement,
Derek m'a tapé et devant des trois policiers. Il a menacé plein de monde et je pense que il va mal finir. Non, c'est pas normal, je sais pas, on me quitte pas moi, encore moins par téléphone. Excuse-moi, Non, c'est pas normal. Bon, bref, je vais penser à autre chose, Jake, on va rester sur le travail pour l'instant. Jake. Quoi? Jake, l'amour que t'as pour May et l'amour que May a pour toi, je t'assure qu'il va pas se terminer comme ça. C'est... Bah, pourtant, ouais, bref, je vais parler avec, on verra. Téléphone, comme si j'étais une sombre merde, non mais tu te rends compte? Ouais, je me rends compte. Téléphone. Téléphone. Puis quoi ça... Non. Bref. Je vais mettre en radio. J'arrive pas à y croire, mais vraiment. Si je l'ai perdu, j'ai perdu pas mal de gens dans ma vie. Hein. Je vais peut-être faire une sieste, hein. Je te préviens. Non, c'est bon. Si vous avez besoin, je vais juste préparer la réunion. Ok, j'ai grave peur de tomber. Les gars, je crois que c'est mort avec May. Qu'est-ce qui s'est passé, les gars? Jake, il a tout niqué. Non, les gars. Comment je peux faire? Dites-moi dans le chat comment je peux faire pour régler le problème. Comment je vais faire, les gars, pour me sortir de cette merde intersidérale? Ce soir, c'est la merde, les gars. Quand je vous dis c'est la merde, hein. Débloquer des règles. Salut. Dans la merde. Ouais, je vais lui parler face à face. Y'a pas le choix, les refs là. Pour central, je prends mon service. Bien reçu. Loïc, bah, ça vient de commencer en soi. Hein. J'ai juste parlé avec May et apparemment c'est vraiment fini entre Jake et May. Allez avec nous. Bonsoir tout le monde. Allez avec nous en salle de consultation. Oh non, moi je sais bien. Bien reçu. Excusez-moi. Ouais, dites-moi. Bonjour. Bonjour, c'est moi. Ouais, je viens voir les deux jeunes filles là, qui étaient là. Enfin, ils sont arrivés il y a deux minutes, je crois. Ils ont eu un accident. Attendez, j'ai demandé une cheveux orange. Excusez-moi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a eu un accident, deux jeunes filles? Oui. Les gars, est-ce que vous savez, il y a eu un accident avec deux jeunes filles apparemment? Ouais, elles sont dans la messieurs. Elles sont où? Elles sont là-bas. Jake, d'accord, monsieur. Merci. Après, je vais te parler, Jake, si tu veux. Mais y'a pas de problème, Davis. Après, c'est vrai. Ah, monsieur Jack, y'a toujours la réunion à 9h30? Ouais, toujours. Il y en a une qui est dans la salle de radio. Ouais. Et l'autre, elle est dans la salle. Elle est dans la salle du fond. La salle du fond, okay, à droite. Elle est avec. Capitaine! Je vous dirai. Pardon? Allez. Oh. Elle est morte! Ça a l'air d'aller. Bonsoir. Juste là à droite de l'aigle. Putain, merde alors. Il est avec les patients qui sont hier. Elle est où là? Elle est là. Elle a toujours envie. Je vais vous aider à marcher. Vous allez me dire comment vous faites. Elle a toujours envie. Ah, ça c'est de la couette, ok. Juste attendez, juste un petit temps. Juste une fois. Ah, pardon. Quand on va finir de sculpter, appuyez-vous sur son épaule. Ça va. Putain, mais quel temps de merde, quel temps pour mourir, dis donc. C'est vraiment un temps pour mourir, dis donc. Ouais, on a une réunion, mais dis-moi rapidement. Tu vas mourir. Comment?
Moha, tu connais? Ouais, c'est un ancien d'ici. Ouais. Là, vaut mieux pas faire d'accident de la route, parce qu'avec un temps comme ça, tu es en crevé. Hein, voilà. Je crois qu'il est décédé, malheureusement. Attends, en crevé. Je sais qu'il est décédé, mais ma mère m'a seulement appris hier que c'était mon frère. Ah. Hein? Ah. Du coup, voilà. Comme ça, tu le sais aussi. Pardon? Comme ça, tu le sais aussi. Désolé pour toi, Davis. Hein. Ça va, toi, avec Akin? Avec qui? On est rentré dans l'heure fatale. Ça va pas avoir de problème. Là. Je te cache pas que c'est un peu la merde là. Hein. Ah ouais? Ça vient de parler, tu m'appelles? Ok. Ouais, pas de soucis. C'est un accident là, de la couette. Enfin, si, mais moi j'ai rien. Les gars. On va aller où, c'est ça ou pas? Attendez, je vais appeler. 71 pour Vandal. Je sais pas du tout. Ça va, je pense qu'on va prendre une réunion, faudra attendre juste un petit peu. Ouais, toi, tu sais qu'il y en a une des deux qui. J'arrive de suite, Mme Delmet. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Salut, bien. 59, prise de service, bonsoir à tous. Bonsoir, est-ce que vous pouvez nous rejoindre dans le bureau, s'il vous plaît? J'arrive tout de suite. Le Jack, il a la haine. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir. 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 Wesh-fire, c'est un bâtard. J'suis dans la sauce, frère. Dans la sauce, le frérot, là. Dans la sauce. J'sais pas dans le... C'est un bâtard, Derek, qui m'a mis dans la sauce, en plus, hier. En... Quel enculé. Deux secondes, l'erreur. Ah, Derek il m'a mis dans le pétrin, les gars, il m'a mis dans la merde. Bon, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Quand on dit tout le monde dans la salle de réunion, c'est tout le monde dans la salle de réunion, tout de suite dans le bureau. Là, casse les couilles. C'est un flaine, Derek. Ça va tout pas après les 2-3 jours que je vous ai dit, vous repassez et puis on regarde. 78, t'es où? Bah, il manque. Monsieur Jumanji, tout le monde en radio, tout le monde dans le bureau. Oui, oui, vous inquiétez pas, je suis juste là. Ah, voilà, t'es là. Bon, je vais venir te chercher, viens. YTB Taxi, merci pour ton follow, mon ref. Merci à toi. Bienvenue, installe-toi correctement. Bon, il manque Jerrican et Jones. J'arrive. Jerrican, il est en train de faire une auscultation. Ok, ok. Bon, bah, c'est pas grave, je ferai la remontée. Léo, faudrait que tu reviennes, Jerrican est en opération. Même pas dit bonjour, c'est pire que ça. Mais là, les gars, ça va être froid. Hein. Ça va être tendu, les refs. Hein. Jake, bah je te laisse commencer. Oh non, vas-y toi. Non, vas-y, je te laisse commencer. Ah non, vas-y toi. Déjà, merci, bah, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça va, merci, ça va, toi t'es un crack. Parfait, parfait. Voilà, donc, j'aimerais bien revenir sur... sur les salaires. Donc je vous rassure, j'ai eu une discussion avec le gouvernement qui va faire le nécessaire normalement à partir de lundi. Donc à partir de lundi, normalement, on aura tous nos payes, si je ne me trompe pas. Cependant, je vous demande à tous de bien m'écouter. Car à partir d'aujourd'hui, d'accord, vous devez facturer tout le monde sans exception, d'accord? Je parle bien des amis, famille, autres, je veux rien savoir, tout le monde doit être facturé et tout le monde a la même enseigne. Carte vitale. Vas-y, t'as dit quoi? Non, vas-y, dis. Ah, vas-y. Il en vaut de la survie au fait de l'hôpital. Hein. Sachez oui, une voilà. Chose, c'est que si on facture pas, on n'a pas d'argent, on n'est pas payé. Hein. Et on n'a plus de quoi payer les médicaments, etc. Ne faites pas de dessin, vous êtes au courant de la situation actuelle. Voilà.
Donc, carte vitale, on fait payer 150. Et ceux qui n'ont pas de carte vitale, par contre, ça, je sais pas, c'est combien ? 500. Alors, moi, on m'a dit 450. Après 500, il faut vraiment qu'on se mette. 550 de base. 550. Ok, d'accord. Bon, bah 550. Il y a autre chose aussi que j'aimerais dire. Quand vous n'êtes pas en service, d'accord ? Et là, franchement, on sera vraiment intransigeant, que ce soit le patron ou moi. Je ne veux voir aucune personne soigner d'autres personnes, d'accord ? Si je n'arriverai pas à vous faire confiance et si Jake non plus n'arrive pas à vous faire confiance, malheureusement, vous n'aurez plus l'autorisation de sortir des bandages, des medikits ou autres, d'accord ? Donc, pour l'instant, je vous fais confiance, mais sachez que si on voit justement des personnes soigner d'autres personnes, que ce soit amis, famille ou peu importe, vous aurez des sanctions. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Oui, c'est très clair. Parfait. En parlant de sanctions, je vais bien entendre ce qu'il faut savoir, les gars. C'est que le premier que j'attrape qui n'est pas en service à faire des soins médicaux, c'est la porte. J'ai une question pour ça, patron et du coup, madame. Dis-moi, Bouclette. Mm-hmm. Par exemple, hier, là, on a eu un problème avec Romain G. Moi, j'étais pas en service, j'ai quand même fait des soins médicaux, mais j'ai pas sorti un kit de soins, etc. Mais j'ai fait des soins médicaux. Est-ce que c'est autorisé ou pas ? Bah, les premiers secours. Ouais, c'est vous pouvez regarder qui est à la porte, s'il vous plaît ? On est trop les gens ou quoi ? J'y vais, allez-y, Bouclette. Voilà, ça, ici, là, c'est un moment, il y a dedans, là. Elle s'est enfuie de l'hôpital, là. Et écrit policier ou écrit SAMU sur notre insigne, monsieur ? Comment ? Écrit policier ou SAMU ? Il s'échappe, on ne peut rien faire, malheureusement. Non, j'ai dit qu'elle a pris son chemin, elle est partie, en fait. Parce qu'elle s'est dit qu'elle est là, elle sort d'un accident. Elle est restée là-dedans pendant un moment, là. Depuis son accident. Désolé encore. Non, mais elle est partie maintenant, là. Et vous faites des réunions alors qu'il y a des blessés ? Monsieur, il faut bien que je dispatche mes équipes et surtout que je les corrige quand ils font n'importe quoi, non ? Ah, quoi, il y a des. Ok. Ça change le putain. Bon, c'est pas grave. Disons que je suis directeur, mais bon, il y a un milliard de personnes qui font. Bah, il y a un blessé, vous faites des réunions. J'ai fait la réunion avant qu'il y ait quelqu'un de blessé, il me semble. Oh, okay. Avait quelqu'un, je savais pas qu'une réunion s'empêchait. Bon, c'est pas grave, merci, au revoir. Bonne soirée, merci. Entre nous, si vous vous soignez, c'est un peu normal, on va dire. Parce que ben voilà, s'il y a plus de SAMU et que c'est un SAMU qui est à terre, voilà, on va pas le laisser à terre. Donc là, ça serait. Oui, bien sûr. Mais après, hier, c'était un cas extrême. Qui dit cas extrême, mesure extrême. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais par contre, si c'est des citoyens, je veux vraiment. Et voilà, c'est pas que moi, c'est pas que Jake, c'est aussi au-dessus de nous. Donc nous, on fait respecter l'ordre. D'accord ? En parlant merci pour ton follow, LZ. Des missions concitoyens, pareil, Giro, que ce soit Giro, ou, enfin, avec le son ou la lumière. Il n'y a pas de plage, il n'y a pas de ciné, frérot, ça va être là, dans le d'accord, bureau. Parce qu'il y a eu beaucoup de policiers, de gendarmerie, de citoyens qui se sont plaints, malheureusement. Et voilà. Donc, vous inquiétez pas, j'ai bien fait remonter qu'il y avait des petits soucis, que voilà, nos patients, malheureusement, au bout de voilà, si c'était trop long, si c'était trop court, ou voilà, on perdait nos patients, et malheureusement, on ne peut plus se permettre de perdre des patients, ça c'est sûr et certain, on est là pour sauver des vies et pas l'inverse. J'ai bien fait remonter l'information, et tout va être réglé. Mais jusque-là, je ne veux pas de gyro et rien du tout, s'il vous plaît. Oui. Du coup, on fait comment ? On n'en fait plus ? Bah, vous pouvez en faire, mais voilà, il faut vraiment faire doucement, prendre son temps. Les feux, etc. quoi. Bah, sinon, vous allez risquer des amendes, et là, malheureusement, les amendes, elles vont tomber. Donc voilà, vaut mieux faire. Qu'est-ce que je veux dire, les gars ? Je vais parler plus ou moins pour les concitoyens. Les concitoyens, ce n'est pas un risque de vie ou de mort, je tiens à le rappeler, c'est une aide à la personne sans possibilité de mouvement. Donc ce que vous faites, c'est bien sûr respecter les feux, si vous voyez que c'est bon, vous attendez quand même quelques secondes à éviter qu'une voiture vous rentre dedans, et là vous pourrez passer, bien sûr, sans les sirènes et des gyros, parce que ce n'est pas une importance capitale.
Si vous n'arrivez pas à temps, bah, c'est pas grave. C'est pas une question de vie ou de mort. Vous ramenez la personne. C'est... Okay, Thomas, on n'est pas là non plus pour penser qu'à l'argent. Évidemment, vous allez respecter les limites de vitesse. C'est tout à fait normal. Donc, j'ai déjà été convoqué par des policiers qui m'ont signalé ce genre d'informations. Et j'avoue que ça commence aussi à m'énerver fortement que des personnes activent les sirènes, les gyros, etc. à travers toute la ville, que ça bugle dans tous les sens sans qu'il y ait. Je me demande si je peux me permettre, à quel moment vous avez fait remonter l'information? À quel moment j'ai fait remonter l'information? Mm-hmm. C'est, j'ai pas eu le temps, ça m'est arrivé il y a peu de temps. Ah, ok. Et j'ai eu des problèmes de santé, etc. Donc je n'ai pas pu revenir à l'hôpital depuis. D'accord, ok. Mais du coup, essayez de m'envoyer des mails la prochaine fois pour ce genre de choses qui sont super importantes. C'est nous la direction. Y a pas de souci. Et tout ce que je veux dire, c'est même si vous n'arrivez pas à vos missions concitoyens, n'hésitez surtout pas à ne pas augmenter votre vitesse. Parce que vous savez très bien que si jamais vous faites par des accidents, il va y avoir des problèmes. Vraiment beaucoup de problèmes. Que ce soit avec nous ou avec la police. Et on ne sera pas là pour vous défendre. Et le problème, c'est que là, c'est plus. Enfin, voilà, c'est je pense que là, bon, vous êtes au courant, donc on va pas vous faire un dessin, mais là, c'est, il faut vraiment que tout soit réglé. Les personnes qui ne sont pas là, j'espère que vous allez pouvoir aussi remonter l'info, puisque bah voilà, la réunion d'aujourd'hui, j'ai pas envie que justement. Comment t'as écrit mais toi Joue l'orthographe. Typique, et voilà, effort, je pense que j'ai tout dit ce que j'avais à dire. Je sais pas si toi, Jeff, t'as quelque chose à dire. Non, rien de plus, c'est bon. Okay. Quelqu'un d'entre vous a quelque chose à dire? Oui, ouais. C'est ça. Pour la police, du coup, on les facture pas directement, mais vous faites une facture finale en fin de semaine, si j'ai bien compris. Exactement. En fait, vous allez. On va faire un fichier où vous allez noter tous les matricules, que ce soit police ou gendarmerie, d'accord? Et à chaque fois qu'un agent des services publics est malade ou vient de se faire soigner par un accident, vous notez, d'accord? Et nous, à la fin de la semaine, on leur fera une facture. Comme ça, au moins, on est sûr qu'à la fin de la semaine, on a des fonds dans les caisses. Voilà. Et mademoiselle May, les officiers du SAMU sont-ils considérés comme des agents publics Non, en fait, nous, entre nous, bah, malheureusement, enfin, c'est pas malheureusement, c'est ouais, heureusement, c'est j'espère. Je vais pas vous faire facturer des soins. Voilà, quoi. C'est, on est une famille, on est une équipe. Voilà, c'est nous, le but, c'est vraiment de gérer. Notre but aujourd'hui, c'est de renflouer les caisses. On a mis en place. Oui, désolé. Un calendrier, donc je sais pas si des personnes veulent participer, donc moi j'y serai, donc n'hésitez pas. Ah, c'est déjà fait aussi. Voilà, donc je vous en ferai une fois la photo que vous allez poster. On va faire un calendrier qu'on va mettre en vente en espérant que justement qu'il y a du monde qui me l'achète. J'ai aussi des projets pour faire un gala de charité justement. Donc, ça sera pour un peu plus tard. Je pense que ce sera un petit peu dans quelques semaines. J'espère que ça viendra très vite, mais j'ai l'intention de faire un gala de charité aussi pour que les entreprises puissent aussi contribuer justement au bien-être de l'hôpital. Voilà. Okay. Bon, merci pour toutes ces précisions. Merci pour ton follow, mon ref. D'ailleurs, Ferry, elle est aussi, je l'ai pas vu, ça. Justement, c'est que les patrons, copatrons, si je me trompe pas, c'est ça, Jack? Les médecins ont accès aussi, je crois, en fait. Les médecins? Ouais, on a accès, mais ça, de base, les médecins, on n'a pas le droit. Mais les médecins-chefs, est-ce qu'ils ont le droit ou pas? Alors, je vais vous expliquer. Médecin-chef, direction. On parle bien du Volvo, hein, je me trompe pas. Oui. Mm-hmm. Mais en fait, on a des problèmes avec le Volvo, parce qu'il y a des gens, ils le prennent, ils n'ont pas le droit. Il y a des gens, ils le prennent, ils sont en civil. Personne n'a le droit de prendre le Volvo, si ce n'est la direction et les médecins-chefs, lorsqu'ils ont des rendez-vous professionnels. Et quand il peut y avoir des urgences. On n'a pas le droit, on est d'accord. Non, en civil, on n'a pas le droit. J'ai une question. Mmh. Dites-moi, monsieur Kahn. Parce que le Volvo, c'est quand même un véhicule léger médicalisé, donc je comprends pas. Il n'est pas médicalisé, il n'y a absolument aucun équipement dedans. Hein.
Les équipements ont été retirés. Il n'y a absolument aucun équipement dans les vols bourrés. Ok, non, parce qu'à l'époque, il me semblait avoir vu du. À l'époque, il y en avait, mais le problème, c'est que vous ne pouvez pas soigner quelqu'un à l'intérieur. Alors, hors une ambulance, vous pouvez. Vous avez tout le matériel disponible, l'espace disponible et le brancard. Alors qu'une voiture, vous ne pouvez pas du tout. J'ai dû par ailleurs, j'ai dû emmener quelqu'un de toute urgence par une Volvo, une affaire qui s'est passée il y a peu de temps, mais bref, elle est réglée. Mais c'est vraiment en cas d'extrême urgence ce genre de choses. Mais je suis sûr que personne n'était pas vraiment à l'aise à l'arrière de la Volvo. Sur Spotify. Ouais. Okay. C'est pas moi qui ai fait la playlist, j'ai pris des. Ah oui, je voulais dire aussi. Funky, tout ça. J'ai vu qu'il y avait très peu qui mettaient leur prise de service, alors que je sais que vous êtes toujours là. Je pense qu'il y en a que 4 ou 5 qui mettent. Alors, voilà, les prises de service, j'aimerais bien que. Je veux bien que vous oubliez une fois ou deux fois, mais c'est important pour nous de savoir qui travaille et qui ne travaille pas. On sait qui bosse, hein, il n'y a aucun souci pour ça, mais il y a des personnes qui ne viennent pas depuis quelques semaines déjà. Et cette place-là, justement, des personnes qui n'ont pas envie de travailler, c'est une place perdue pour quelqu'un qui a envie, qui veut vraiment rejoindre le SAMU. Et moi, j'aimerais bien, justement, qu'on puisse recruter des personnes qui sont là tout le temps, d'accord ? Et en sachant, justement, qui est là, ça va nous permettre aussi de virer ceux qui ne sont jamais là et qui prennent la place de ceux qui ont envie de travailler, voilà. J'ai une question pour les salaires. Est-ce qu'on va être remboursé de ce qu'on a fait ou pas? Je sais pas du tout. J'espère en tout cas. Hier, on a reçu un don de 39 000 euros. Je m'en suis servi pour. Vous voyez, vous recevez tout le temps votre paye toutes les 15 minutes. Bah, je croyais que c'était mais pour les primes, tout ça. Les primes, en fait, pour hier, vous avez eu l'argent pour les 15 minutes et tout. Et demain, enfin lundi, normalement, vous aurez votre prime que normalement vous êtes censé avoir aujourd'hui. Ok, non, moi je parlais pas des primes, je parlais des. Par exemple, vous savez, là, vu qu'on marque nos horaires et tout, est-ce qu'on aura l'argent Le problème, c'est que vous êtes toujours là, d'accord. Mais c'est vrai que très peu ont marqué leurs heures. Maintenant, c'est à voir avec le gouvernement. Je pense pas qu'ils seront d'avis négatif. Donc, on verra. Je verrai avec eux directement de savoir justement si on peut avoir justement. Je sais pas combien ils vont nous donner, mais on espère qu'ils nous donnent au moins une petite prime pour la semaine passée. Au moins pour vous qui avez travaillé. Il n'y a pas grand 4 ans, il y a vraiment. Non, je dis vous, c'est vous tous. Quoi. Oh, oui. Vous inquiétez pas. Est-ce qu'il y a des choses à remonter, s'il vous plaît? Oui, j'en ai qu'une seule. C'est que je sais qu'on est plusieurs à ne pas avoir les accès à l'intranet. Justement pour mettre nos rapports et nos prises de service. D'accord, alors ça, il faut que. En fait, pour le moment, vous, malheureusement, je ne peux rien faire. Je vais demander justement pour que. La direction puisse avoir accès au grade. Oui, voilà, parce que nous, la direction n'a pas accès au grade et ce serait bien que nous, on y ait accès pour vous donner à vous aussi l'accès. Donc, je verrai ça avec eux aussi. Yo, Nino, ça va qu'on la pêche on pourrait parler des rapports. Je sais que c'est grave chiant, les gars. Même moi, ça me pète des couilles. Mais faites les rapports parce que quand on essaye de retrouver ce que vous avez fait à des patients et que du coup vous êtes parti et tout là, je parle de rendement de vie, faites les rapports parce que vraiment ça bloque les. Pourtant, je voulais simplifier à la mort. Hein. Vraiment, j'ai fait au plus simple sur le rapport. Hein. Vraiment. Hein. Voilà, c'est juste, faites les rapports, même si c'est. Il est parfait, votre rapport. Au moins ce que vous avez fait, parce que vraiment là, j'avais un patient, je savais pas quoi faire avec lui parce que je savais pas aller avec quoi. Donc, faites les rapports, s'il vous plaît. Il l'a payé aussi des patients comme ça. Non, t'inquiète, c'est en gros, si tu veux, on en parle après. Ouais, bientôt les 800, hein. Ou 5000 les gars, je fais. Quoi qu'il en soit, hier quand on a reçu les médicaments, tout le monde n'était pas présent. 69, intervention 29. C'est bon ça. Oui. Bah, il est censé être ici, mais. Alors il vient juste d'arriver, je pense. Ah, ok. Yo, Jess, c'est vrai qu'on la pêche? Bah, il a pris une pause. Vous pouvez venir au bureau, s'il vous plaît. Il avait fait une pause, là, monsieur Joumanji. Ah, ok. Donc. On arrive après. On aura fini, vous lui ferez un petit. Non, mais lui, il a beaucoup de choses à dire, donc je pense que c'est intéressant. Ok, d'accord, bon, c'est cool.
Je voulais dire aussi pour les personnes qui n'étaient pas là, normalement on va re-accéder à notre coffre qui est dans la salle De vestiaire, voilà. Mais on a installé justement ce petit coffre hier, et à l'intérieur vous avez les médicaments nécessaires pour pouvoir se nourrir. Et, Emma, je retourne et vous avez de l'eau et du pain pour vous nourrir aussi. J'ai pas eu du pain, j'ai eu juste de l'eau. Moi j'ai peut-être pas regardé correctement. Non, non, il y a du pain et de l'eau. Ouais. Ah, d'accord, j'ai pas plus là. Et ok, bah je sais pas si on attend 69, mais. Oui, ils arrivent après. Ok. Ok, bien reçu. Ça, c'est que des bonnes infos ce soir. Bah oui, ça fait. Gars, on a bien parlé cette semaine, même si on avait pas de changement de travail, frérot. Il y a pas de. Bah j'espère. Ouais, je disais, on a bien travaillé même si on n'avait pas de médicaments, vraiment bien joué les gars. Ben, moi je suis quand même fière de vous. Vous êtes une super équipe et franchement, je pense que comme moi, comme Jake, on n'est pas déçus de vous avoir recruté. Ça c'est des choses qui font chaud au cœur. Voilà. J'avais un autre truc à dire, j'ai oublié. Excusez-moi, je suis fatigué encore. Hein. Ouais, j'ai une autre question ici d'ailleurs, mais que ça concerne tout le monde du coup. Est-ce que d'autres personnes ont des soucis de dispatch sur la tablette pour prendre les appels? Normalement, la centrale 911 a été réglée. Hein. Ouais, mais pas pour moi visiblement. C'est-à-dire, expliquez-moi votre problème. Je peux toujours pas prendre les appels, au fait, me mettre sur les appels qu'on reçoit. Bah, tu sais utiliser la tablette correctement? Bah, je pense qu'elle est pas si compliquée que ça à utiliser quand même. On verra après, mais sinon faut remonter. Hein. On va te faire une mini formation sur la tablette pour voir si tu fais pas d'erreur. Ouais, bah je veux bien éventuellement. On sait jamais. Voilà. Pour les dispatchs, du coup, faudrait vraiment commencer à faire des dispatchs. Parce que là, en fait, il n'y a aucun dispatch. En fait, ouais, papy, l'agent immobile. Là, ça va, en fait, on n'est pas beaucoup, mais non, si on est beaucoup, vraiment, c'est chaos. On commence à être beaucoup là quand même. Ouais, j'en ai parlé hier. En ville, en fait là ça va, c'est parce qu'il y a la réunion, mais de base. Ah, de base, oui, des fois c'est calme. Ouais, mais vraiment, en fait c'est le chaos. Du coup, faudrait faire des dispatchs, mais en fait vraiment assigner des dispatchs continue en fait, parce que je sais pas, on fait jamais de dispatch, donc mettez des binômes et on garde des binômes jusqu'à la prochaine réunion. Quoi. Assez vite, intéressante. C'est ce que j'ai parlé hier. La lune, ça rame pas, ça va quoi, frérot? Ouais, mais en fait, c'est. Faut voir pour le mettre en place. Maintenant. Parce que vraiment, c'est pas gérable de partir. Ouais, j'avais tout avec des gens. Maisons, des voitures. Enfin, voilà, c'est pas gérable. Mais ça serait bien qu'il y ait aussi tout le temps un médecin à l'hôpital disponible, si jamais. Bah là, moi, clairement, je suis pas censé être là ce soir. Hein. Là, c'est juste parce qu'il y avait pas de médecin. Et pour ça aussi, je tiens à dire, vous êtes peut-être brancardier, mais on essaie de faire notre possible pour vous donner les instructions pour que vous-même vous pouvez soigner les personnes. Si jamais vous savez pas quelque chose ou comment faire ceci ou comment faire cela, nous sommes là pour répondre à vos questions et vous aider, donc n'hésitez pas à nous communiquer. Merci, on ne peut pas être toujours là présent pour vous. Il faut forcément qu'un jour vous soyez quand même autonome et vous pouvez soigner les personnes vous-même. Non, mais moi là, je vais pas vous mentir. Là, il y en a 2-3 où je fais des opérations avec eux et tout. Vraiment, ils commencent à être vraiment pas mal. Hein. Je dis pas le contraire, mais il y en a certains. J'ai encore reçu des personnes. Ah, mais monsieur, on peut pas faire d'un brancardier un médecin en musulman. Je suis d'accord avec toi, mais être pédagogue et arrêter de dire que certains font du boulot de merde. Comme j'ai pu t'entendre dire hier. Bah, toi, hier. T'as dit que certains ici faisaient du boulot de merde, mais dans ce cas-là, justement, explique-leur où ils ont fait une faute. Bah, je le fais tout le temps, l'explication de faute. Hein. Et bah, hier, tu me l'as pas expliqué, par exemple, ma faute. Mais apparemment, pour toi, j'ai fait une faute, mais tu me l'as pas expliqué, t'as dit que je faisais du boulot de merde. Très bien, j'en dans ce cas-là, dans ce cas-là, sois pédagogue, je suis d'accord avec ça, mais faut être pédagogue derrière. Et comme j'ai expliqué déjà la semaine dernière, Jumanji, on peut tout dire, mais l'important c'est l'art et la manière de le dire. Regarder quelqu'un lui dire qu'il fait du travail de merde, c'est dévalorisant et ça donne pas envie de bosser derrière. Et encore moins de bosser avec toi, tu comprends ce que je veux dire? En fait, faut un respect naturel pour le chef, quoi. Faut qu'il montre que c'est lui le meilleur, pas que nous on était sous merde ou quelque chose comme ça. Non, quoi. Non, c'est ça n'a rien à voir, c'est pas un concours de celui qui a la plus grosse, on n'est pas là pour faire ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que chacun a ses compétences. Et si on travaille tous main dans la main, ça va faire travailler, ça va faire que grossir la cohésion d'équipe. Et la cohérence de l'hôpital. S'il y en a qui commencent à dire ouais, tu travailles comme une merde et que l'autre n'est pas content, ça va faire des tensions dans l'équipe et c'est pas ce qu'on veut. Bien loin de là. Bien loin de là. D'accord.
Donc là, ce qu'il va falloir, c'est être pédagogue, comme disait Monsieur Kahn, et surtout, 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 expliquer les choses avec un tempérament naturel. Pas besoin de dire, ouais, tu fais de la merde, ou c'est s'énerver, c'est pas nécessaire. Ce qui est nécessaire, c'est d'expliquer où est la faute, pour que la, de manière à ce que la personne n'ait pas à la reproduire. Ça, ouais, c'est très important. Il me semble pas que vous m'ayez déjà entendu vous dire ce que vous faites, c'est de la merde. C'est une question, hein. Non, c'est certain. Pourtant, des choses, pourtant des choses à reprocher, il y en a plein. Oui, bien sûr. Mais je vous fais pas de reproche parce que je vais pas demander à un brancardier ou à un médecin de faire un travail de chirurgien. C'est pas logique. J'ai une petite question. Est-ce qu'il y a des patients en salle de soins? De soins, non. En salle d'opération? Non, je crois pas. Ok. Non, bah on a Jack et Z pour l'instant, les frères. La seule personne qu'il y avait, c'était la patiente de Jérican. C'était deux patients, patients. Ils se sont chargés d'eux? Oui, c'est terminé. Moi, normalement, j'ai pris tout ce qu'il y avait à faire. Normalement, elle est censée être partie. Ouais. On est en réunion, Lalou. Bon, il y a mon patient, je l'ai opéré, il a deux jambes cassées, nana, je l'ai mis dans une chambre au fond. Donc il dort, mais à part ça, il y a personne dans l'hôpital normalement. Non, il y a personne. Ok. Ah oui, non, mais il y a personne qui a besoin de nous, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, voilà. Ça va, toi, BDS, la bûche ? Si tu as des trucs à dire, maintenant, après, on part en truc. Non, moi, c'est bon. T'as rien à dire ? Non. Okay, et merci pour ton follow, BDS. Je veux dire, Tessa qui fait des interventions en moto, pas ouf non plus. Bah justement, j'aurais bien voulu qu'elle soit là parce que j'ai eu beaucoup de remonter à son sujet, justement, qu'elle soignait des citoyens, des civils, enfin des personnes, alors qu'elle était en civil et en plus elle leur faisait pas payer parce que soit ils étaient amis non, avec elle. Non, frérot, Jack qui va se reconstruire, frère, il a toujours vécu seul. Soit des choses comme ça, donc si avec elle j'aurais une discussion plus approfondie. C'est le RP surtout, les gars. Si on fait toujours du RP tout beau, tout rose, où il se passe pas de problème, qu'il n'y a pas de. Non, pas de soucis. Bonsoir, collègue. Si on fait tous du RP en mode tout va bien, frérot, c'était. Moi, là tout à l'heure, j'ai eu un bah, du coup, le patient de Jumanji. Je l'ai pas fait payer, mais est-ce que c'est grave ou pas? Mais de toute façon, comme je vous ai dit, là, je vous ai fait la petite réunion, donc à partir de maintenant, vous savez. Bah, s'il n'y a pas de problème, ça sert à chier. Non, non, mais ça, en fait, moi, je vais pas mentir, ça, je le réponds. Dans un on est marié, on a 4 enfants et on habite dans une maison au bord d'un lac. J'avais aucune information sur ce qu'il avait, je lui ai dit de repasser plus tard. Du coup, je ne l'ai pas fait payer. Ah, oui. Est-ce que c'est une personne? J'ai pas compris. Même un maximum d'action, frérot. Il n'y avait pas de rapport, du coup, j'ai pas pu savoir ce qui avait été fait. Du coup, j'ai pas risqué de faire quelque chose. Et du coup, comment dire? À partir du moment où vous soignez la personne. Vous avez rien fait? Bah, sinon, si c'est que du blabla, non, on va pas facturer du blabla. Ouais, mais on sait jamais, des fois. Il y a que le psy qui facture du blabla. Voilà, c'est ça. Enfoiré. Et il est pas là. Non, mais d'ailleurs, en parlant de psy, faut absolument que je mette en place la cellule psychologique, comme je disais au monsieur. Désolé, on n'a pas eu encore l'occasion d'en parler, mais ce sera fait très prochainement. Vous inquiétez pas, vous aurez votre bureau, vous serez tranquille. D'accord. Ah oui, une question pour les. Dites-moi. Quand je l'ai payé au patient, moi je l'ai fait payer 100, mais non, c'est 150 quand même ou pas? Ah oui, bah c'est oui, 150. C'est 150. Minimum bah, 150 sous présentation d'une carte vitale, vraiment. D'accord, très bien, il faudrait payer 150. Faudrait mettre, c'est pas ça, on a un service public, c'est d'accord, mais voilà, l'économie de la ville fait que 150 euros, c'est absolument rien pour une personne. D'accord. Surtout qu'on vient pas à l'hôpital toutes les 2 minutes, si vous voyez ce que je veux dire. Bah, normalement, non. Hein. Pas vous. Donc c'est très raisonnable, nous ça nous permettra un petit peu d'arrondir les angles, parce que... Regardez, je vais vous dire. Voilà, là ça va encore parce que vous avez bossé un petit peu, mais on a déjà perdu 10 000 euros presque sur la caisse entre hier soir, on a récupéré le don de la personne très gentille, et aujourd'hui. Donc vous voyez, ça va très très vite. Ouais. Ouais, putain, ça a des frais, etc. Plus vite que ça rentre, hein. Exactement. Comme à la maison, les gars. Mais du coup, les gens qui. Mister RP, ça va comme au ref. Comment on peut rien faire? Pourquoi t'as mal à la tête là? Il y en a qui n'ont pas payé, hein. Mais normalement, ça se fait automatiquement. Tous les quarts d'heure, vous recevez un virement de 30 euros. D'accord ? Ouais. Si vous voulez savoir tout ce qui est de la direction, j'ai retiré les salaires. Donc il n'y a que vous qui êtes payé. Nous ne sommes pas payés. On a préféré vous donner votre argent à vous. C'est juste. Bah, c'est une question de sacrifice, monsieur. Nous sommes directeurs. Nous ne faisons pas le boulot que vous faisiez. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand vous, on vous voit sur le terrain 24 heures sur 24 quasiment en train de tout faire, vous méritez largement plus votre salaire que nous.
Ouais, mais sans vous, on n'est rien, on n'a pas justement notre salaire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est totalement faux, vous êtes une équipe très autonome et vous avez très rarement besoin de nous. Regardez, on se voit une fois par semaine pour faire une réunion et de temps en temps quand vous avez besoin. On est une famille, donc c'est vrai que ça m'embête de savoir que vous n'avez pas de salaire. Ça m'embête vraiment. Je vous garantis que ce n'est pas pour l'argent qu'on fait ça, c'est surtout pour vous, c'est pour votre bien-être à vous. Il faut savoir prioriser les choses. Moi, je priorise les personnes qui travaillent sur le terrain plutôt que des personnes qui sont dans des bureaux à faire des rendez-vous, des entretiens, etc. C'est pas, vous avez votre place aussi dans l'entreprise, en soi, vous gérez tout à fait, tout ce qui mais est c'est ici, donc, tout à fait. Moi, comme je vous explique, c'est juste une question de priorité. Pour le moment, l'argent de l'hôpital, on n'est pas, excellent. On a des grosses pertes de fonds, donc il faut prioriser la chose. Le jour où l'hôpital ira mieux, on sera tous payés, vous vous en faites pas. C'est juste pour vous faire comprendre une chose. On fait pas ça pour l'argent, vraiment pas. Okay. On fait pour le bien de la ville, des citoyens et surtout pour leur santé. On est des. Voilà. Et c'est vous les héros de la société, croyez-le. Donc sans. J'ai envie d'applaudir après un beau discours. Non, il n'y a pas d'applaudir. Il n'y a pas besoin d'applaudir, les gars. Je vous dis simplement que le travail que vous faites, il est exceptionnel. Il faut juste qu'il soit un petit peu plus peaufiné dans les détails, c'est-à-dire au niveau des rapports, des facturations, etc. Mais sinon, en soi, vous faites du très bon boulot. Ok, on fait tous 60 heures et c'est bon, on a de l'argent. Hein. Ah oui, mais si vous faites 60 heures, le coffre se vide carrément. Bah ouais, mais après, faut enlever le salaire. Les 15 salaires. 15 pour. Ah, tu verras, mais il y a des trucs là pour l'instant. Viens, c'est lui 15 dans le bureau. Ouais, mais après, c'est ça. Maintenant, je vais vous poser des questions concernant des gens qui soient là ou pas là, s'il vous plaît, c'est très important. J'ai besoin de savoir. Très bien. Alors. Dans ce dalle, mon pote, comment ça va? Monsieur Jean Louveau, vous êtes ici? Ouais, il est là. Ok, ONC Juniors, vous l'avez vu depuis qu'on l'a recruté? Parce que moi, pas. Il était là cet après-midi, ouais. D'accord, très bien. Monsieur Johnny Etev, vous l'avez vu? Oui, il est là. Ok. Monsieur Jaraja, il est là. Nicolas Dallas, il est là. Louis Turner, pareil. Bratina, oui. Martin Laidoui. Stan Ferrara, il est là ou pas? Ouais, Louis Turner, il est plus là. Hein. Louis Turner, il est pas là. Si, il est là, regarde vers la porte. Ah oui. Je l'ai vu tout à l'heure. Voilà. Oui. Stan Ferrara, il est là. Ça fait 2-3 jours que je ne l'ai pas vu, mais il est là. Ok, monsieur Kahn, il est là. Monsieur Martin Marceau, il est là. Monsieur Adrien Drago, est-ce que vous avez récupéré votre badge, monsieur Drago? Oui, j'ai récupéré mon badge avec vous. Ok, c'est dernier. Magnifique. C'est magnifique. Et sur l'intranet, toujours pas, c'est ça? J'ai une personne normalement qui doit récupérer son badge. Comment il s'appelle? Attendez. Monsieur Marc. Je sais pas c'est qui Marc. D'ailleurs. Oui, Julien apparemment Marc. Julien Marc, il doit récupérer son badge apparemment. Ah, lui, donc ce serait bien. Rien. Moi non plus. C'est pas l'ancien médecin qui avait. Excellente question. Non, c'est pas lui, c'est pas le même. Quoi qu'il en soit, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau des finances de l'hôpital actuellement et en termes d'effectifs, nous sommes absolument carrés. L'hôpital tourne quasiment 24 heures sur 24. Je crois qu'on n'aura pas besoin d'effectifs supplémentaires, en tout cas pour le moment. Moi, quand je regarde sur ma fiche d'employé, ce que je vois, c'est que vous êtes tous actifs et bel et bien présents. Donc, pour le moment, il n'y aura pas de licenciement, il n'y aura peut-être pas de recrutement. Quand on aura besoin d'effectifs supplémentaires, on le fera, à condition d'avoir les fonds nécessaires pour pouvoir recruter des gens et pour pouvoir les payer, surtout, c'est important. Bon, messieurs, est-ce que c'est tout bon pour vous? Bon. Ouais, c'est tout bon, hein. Parfait. Très bien. Le nécessaire sera fait d'ici lundi, ok? Dites-moi tout. Pensez vraiment à faire un petit débrief aux personnes qui ne sont pas là. Concernant Mademoiselle Jones, c'est moi et Jay qu'on va s'en charger. Donc voilà. Je pense. Là, je sais pas qui voulait parler. Moi, je voudrais bien dire un truc. Allez-y, monsieur Sina. Est-ce qu'il y aura des formations prévues dans la semaine? Ouais, les formations de base. Normalement, oui, c'est tout le week-end. Donc là, normalement, d'accord. Demain ou ce soir, vous devrez en avoir une si Madame Jones daigne être présente. D'accord. Ok. Monsieur Kahn, vous avez des nouvelles pour votre brevet de pilotage? Non, j'ai pas de nouvelles encore et c'est pour ça que je voulais vous parler. Je voulais savoir si c'était possible d'avoir un accès, on va dire, avant de passer mon brevet de pilotage limité et seulement en cas d'extrême nécessité, quoi. Parce que là, l'autre jour, on a eu des interventions dans les montagnes. Ah, ça va être la haine, ça se fait. C'est la merde. Donc, savoir si je peux au moins avoir l'accès, parce que je sais quand même piloter l'hélicoptère de l'armée. Je sais, moi, le problème, c'est que ça me pose absolument aucun problème. Le seul souci, c'est qu'on est en France et que pour piloter des engins pareils, il faut un brevet. Si vous faites arrêter sans brevet, il envoie
c'est pour votre sécurité, c'est pour la sécurité des autres. Surtout que si vous n'avez pas le brevet de pilotage et qu'il y a un accident, vous êtes en tort. Et c'est pour ça seulement le sortir en cas de vraiment nécessité, genre juste avoir l'accès en attendant, juste en attente d'avoir le brevet de pilotage. J'entends bien ce que vous dites, monsieur Kahn, mais le problème c'est qu'en termes de légalité par rapport à l'hôpital, en termes de législation, on ne peut pas prendre cette responsabilité. Je vais vous expliquer pourquoi c'est un terme d'assurance. S'il vous plaît, une personne. Je te laisse terminer. Vas-y. Il y a quelqu'un qui arrive. Il y a trois personnes qui arrivent. Il y a deux personnes qui arrivent. Il est où, Diego? Bloc 1, s'il te plaît. Personne n'est venu, et puis soi-disant, elle a. Alors comment t'expliquer Sors le défibrillateur, s'il te plaît, calme-toi. Détendez-vous. Hop. Ne pas s'énerver comme ça. Tiens, ok, vas-y, c'est bon. Tiens. Hop, je charge. Déboutonnez sa chemise, ce serait bien. Parce qu'on peut pas charger. Alors attends, je demandais, vas-y, déboutonne, vas-y. Vas-y, attends. Hop. Hop. C'est ça, tu m'entends ? Voilà. On respire ou pas ? Ok, c'est bon. Là, on a arrêt cardiaque. Ok, je pars tout. Dégagez. L'oxygène. Ok, mets lui sur ma soutien. Ouais, c'est bon. Continue à marcher jusqu'à l'arrêt, je vais recharger l'appareil. Okay, je vais mettre une dose plus puissante. C'est bon. Vous reprenez le patron. Jake, tu veux que je t'explique un peu ou pas? Après, on n'a pas le temps. D'accord. Allez, vous reprenez. Ok, machine prête. Ah, ça casse les pieds, moi. Tu me dis quand je retire le masque? Je vais attendre d'abord que je finisse. Ok. Ok, c'est bon, reculer, je charge. Retiens. Dégagez. Charge. Jamais. C'est ça, Zebi. Si on repart, ça va. Chargé à 260. Ouais. 260, ok. Si elle vient pas, les gars, c'est. On pourra rien faire, allez-y. Chargé, dégagé. Je remets. Ok, c'est bon. Ok, le carreau. Ok, vous mettez sous stabilisé tout de suite. Ouais, immédiatement. Ok. Hop. Je vous laisse gérer, je vais voir vite fait, mais j'y arrive. Allez, vas-y, c'est ça. Pour que j'ai les accréditations, justement, donc moi, c'est ce qu'on m'avait dit que je devais faire. C'est tout bon? C'était ça qu'il y a eu un arrêt cardiaque, le cœur il a repris, mais il est stable pour moi. Bah, elle était là quand j'ai demandé tout le monde en réunion, elle est partie où? Bref, on verra ça. Pas, apparemment, il y a eu un accident de moto. Ok, vas-y, c'est bon. Toi déjà là, toi déjà là. Vous me la mettez en chambre de son, ok? C'est bon, elle a, non, elle a un problème. Là par contre, on part en opération, si tu veux. En fait, ce qui s'est passé, c'est... Sortez tous les deux. Oula. Expliquez derrière. Aïe. Oula. Excuse-moi. Ok, c'est bon, je pense. En fait, ce qui s'est passé, c'est... Je vais doucement. Comment expliquer? Diego, dehors. Alors, comment t'expliquer? J'étais avec Monsieur Alvaro de la gendarmerie. Et d'un coup, je sais pas, j'entends quelqu'un hurler de douleur, etc. Et c'était ça qui était en train de ramper vers le bureau. Je vais me calmer déjà, c'est pas bon. Et puis en fait, ce qui s'est passé, c'est que avant qu'elle parte en arrêt cardiaque, et ben, j'ai eu le temps de faire un IRM et tout. Et donc, elle m'a expliqué que c'était lié à une chute en moto et personne n'est venu. Et elle m'a dit que c'est parce que vous étiez soi-disant en réunion ou quoi que ce soit. Ah non, mais j'ai eu aucun appel. Moi. Et voilà, bah, en tout cas, elle m'a dit que. Enfin voilà quoi. Et donc, il n'y avait personne qui est venu la sauver, quoi que ce soit. Donc. Voilà quoi. Allez vous détendre, on va les laisser gérer. Ouais, mais je sais que j'ai mangé, le cas. Il est bon. Ouais, j'ai souci. On n'a pas eu d'appel, c'est quoi, ça casse les couilles ça, Zébé?
chat, mais on va pas faire compliqué pour ce soir, je vais pas prendre la tête, mais demain ça changera. Du coup, ceux qui sont côte à côte, vous vous mettez en binôme. On se balle, c'est chaud. Oui. Donc, celui-là. 24, il y aura du coup avec Martin. Ouais. Jarod et Lansdal pour ce soir. Moi je serai pas là ce soir, malheureusement. T'es pas là ce soir, ok. Donc Brad avec. C'est nickel, je suis avec mon pote. Le monsieur là, là. C'est Nicolas ? Ouais, Nico, t'es avec. Avec Brad du coup. Voilà, et j'ai chaud sa mère, les gars. Attendez juste, je vais ouvrir ma fenêtre, j'arrive. À côté de toi, Brad, ouais. C'est... Après, oubliez pas qu'il y a encore 15, je crois, qui est en train de s'occuper de Tessa. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il arrive à Tessa? Non, moi, je vais essayer d'appeler 28, je reviens. Celui à côté de Brad, c'est quoi ton nom, s'il te plaît? Chef. Ok, Jean, du coup... Venez avec moi deux minutes. Bah t'iras avec 15 qui est en salle d'opération. D'accord, d'accord. Voilà. Chef, pour vous les ça vous dit de participer au calendrier des amis? Ah moi, ouais, si c'est pour le lien de l'hôpital, y'a pas de problème. Ouais, 400. Hein? Un petit 400. Ouais, y'a pas de problème. Avec aucun souci, vraiment. Et puis je prends deux photos et on en parle plus. C'est vrai, y'a ma photo à faire aussi. Ok, ok. Là tout de suite maintenant? Bah, quand vous pouvez. Il y a juste Tessa qui est en train de mourir, mais un petit peu plus tard, ça vous en est pas? Bah, non, bah oui, bien sûr. Ah, merci, c'est gentil. Ouais, monsieur le directeur. Dites-moi. Au revoir, monsieur Jake. Est-ce que je peux avoir la clé du parking? J'ai toujours ouais, pas. Je vous attends tout de suite. Okay, ah, oui, bah de même, du coup. Tenez. Merci. C'est la dernière clé, malheureusement, on n'en aura pas plus. Hein. Ah. S'il en faut plus, j'en plus, j'irai en chercher d'autres. Vas-y. Putain de merde. Le problème avec Jumanji. Comment ça, c'est fini? Ah bah, il est là. C'est bah, Jumanji. Patron, je pourrais vous parler après? Ouais, juste un petit peu plus tard, ça vous en est pas, d'accord? Ouais, ça fait... Ouais, ok. Pourquoi ça? À quel sujet, dites-moi? C'est au sujet de Jumanji et ses manières qui commencent à sérieusement me taper sur le système et qui sont sur le point de me faire craquer et de partir de l'hôpital. Je vais régler ça, ok? Ok, merci. Je vais prendre un aparté et je vais lui demander de se calmer. Ok, parce et si que, vraiment, vraiment il se calme pas, sachez que ce sera pas à vous de partir, mais ce sera lui, les médecins chefs, certes. Ouais. Parce que disons que me prendre de haut comme il a fait hier soir devant vous en disant que mettre une personne sous 10 litres minimum. En fait, il fait des magouilles. Il y a des magouilles avec un autre médecin pour qu'il se monte en grade, enfin pour qu'il se pistonne, on va dire. Parce que là, son but c'est de faire passer 15 en tant que médecin chef. Bah oui, mais c'est ça le problème, c'est qu'en fait, il dit que les autres font des boulots de merde et il dit que 15 fait de l'excellent boulot pour que vous, après, vous puissiez le monter en grade, enfin, il vous lèche le cul, quoi. Autrement dit. Alors, je connais le travail de 15, mais vous inquiétez pas, je vous montrerai les gens en grade, pas parce qu'on me dit de le faire, parce que j'ai envie de le faire. Oui, mais pour le coup, ce qu'il a fait hier, c'est que son but, enfin, j'ai surpris une conversation entre lui et 15, c'est qu'ils veulent faire virer Lansdal parce que, soi-disant, il fait du boulot de merde, ils veulent me faire virer moi. Parce que soi-disant je suis incompétent et il veut faire monter 15 en grade pour le passer médecin-chef. Voilà ses intentions du moment. Quoi. Donc, je vais en parler avec lui, je vais mettre les choses à carte sur table avec lui, je vais mettre les choses au clair, vous inquiétez pas, ce sera réglé rapidement. Vous pouvez me faire confiance. Okay. Pas de soucis. Okay. Par contre, il y a 28 qui va donner une réponse d'ici 5 minutes. Je sais pas si vous avez entendu en radio, mais par rapport au. Non, j'ai pas entendu, j'avais coupé pour la réunion. D'ici 5 minutes, on aura des réponses. Par contre, les gars, on a eu un appel, est-ce que quelqu'un a pris l'appel? Alors là, normalement j'ai fait les dispatchs, donc j'espère qu'il y a un dispatch qui l'a pris. Jake pour Central, est-ce que quelqu'un a pris le dernier appel de 69? On y va. Ah bah il était temps, merci. Tu bois que toi, c'est quand tu pues de la gueule. Hein. Bon bah pour moi c'est tout bon du coup. Si... Bon bah pour le coup ils sont arrivés à l'hôpital, donc vous pouvez venir directement à l'hôpital. La prochaine fois quand on a un appel, je vous rappelle que c'est un service d'urgence le 911. Enfin le 18. Merci beaucoup. Gondark, merci beaucoup pour ton follow. Ça va ou quoi? Qu'est-ce que tu dis, Gondark? Moi, du coup, on va vous laisser, patron.
Ouais, monsieur Kahn, on vous tient au courant rapidement pour le pilotage, ok? Ouais. Dès que vous avez votre licence, dès que vous avez rendu votre licence, on vous la fait passer. 0... 02 comment pour 0... Oh, pardon. 02 pour 01, tu peux venir dans le bureau, s'il te plaît? Ouais, j'arrive. Dès qu'on a pour le rendez-vous, on vous tient au jeu, ok? Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Il y a 24 ici présents qui malheureusement ne se sent pas à sa place. Tu sais, il était policier de base, donc bien sûr, bien sûr. Il ne se sent pas à sa place et il aimerait bien rendre son badge. Donc voilà. Non, c'est une bonne équipe, etc. Ouais, non, mais je comprends, vous inquiétez pas, il n'y a aucun souci. C'est tout à fait légitime. Si vous étiez policier, que vous êtes maintenant au SAMU, vous n'avez peut-être pas votre place ici. Bon, on vous aura donné votre chance, il n'y a pas de problème. Du coup, on vous avait donné une radio ou pas? C'est la radio de la police, faut que j'y rentre. Ouais, mais oui, en fait, ben, tu peux la rendre ici. Par contre, tout ce qui est médicaments aussi, pareil, tu dois nous les médicaments, medikit et bandage. Ah, 5, hop. Super, merci beaucoup. Merde, j'ai un canon. Super, merci beaucoup. Pour la radio, vous allez la ramener au commissariat ou vous la laissez ici? Ouais, je sais, Gondar. Non, ça revient au même, hein, tu sais. Ça revient au même, ouais, c'est comme tu veux. Vraiment, ça m'est égal. Je pense que nous, on a plus besoin de radio que les services de police. Donc, Ouais, j'avoue. Bon, bah, je vais rompre votre contrat et puis voilà. Hein. Bah, voilà. Mais vous inquiétez pas, sans rancune, hein. Vraiment, je vous en dois absolument pas. Hein. Il est match 69 en patrouille. Tu m'en rends pas, je lui ai donné quand même un petit peu d'argent quand même parce qu'il a travaillé cette semaine. Oui, bien sûr, bien sûr. Je vais prendre l'appel, mais il n'y a pas mon coéquipier avec moi, donc je vais prendre quelqu'un d'autre. 11, je pense qu'il va falloir que tu te mettes avec quelqu'un d'autre parce que 24 a rendu son badge et ne travaillera plus pour nous. D'accord, désolé. Je prends mon coéquipier. Merci à toi. Okay. Je t'en prie, bah... Désolé, je peux pas faire plus, vraiment. Pierre, on est aucun souci. Comment? Pierre, on est rendu son badge. À très bientôt, j'espère. 24, alors je vais checker 24, il rentre son badge parce que malheureusement. J'entends rien. Dites-moi, vous plaît, vous m'avez dit quoi? Il ne se sent pas à sa place parce qu'il vient quand même de la police. Et pour lui, l'hôpital, c'est parfait pour lui. Donc voilà, il rentre son badge. Par contre, il a aimé travailler avec lui. Ok, ok. Donc, vous l'avez mis en vous l'avez mis en chambre ou pas? Ouais, venez. Du coup, son état va évoluer, mais là, on a un peu de plus loin. Ok, ok. Je pense par là. Voilà. Allez-y. Je cherchais Brock ou pas, patron? Ouais, si vous voulez, ouais. Si on a quelque chose à foutre. Oh, putain. J'ai pas entendu radio, est-ce que quelqu'un a pris l'appel? Oui, quelqu'un a pris le dernier appel. Là, il y a un nouvel appel. Okay. Le 44, le 44. Vas-y, Gondark, bonjour à toi. T'inquiète. Elle est réveillée ou pas? Est-ce que vous pouvez me dire où est l'agent 10? Apparemment, il est dans l'hôpital. Putain, arrête de dire des conneries. S'il te plaît, Jumanji. Oui, il est avec nous actuellement. Il casse les couilles avec leur drame. Attends, j'ai trop de trucs à faire ce soir. Faut attendre que la perfusion fasse son effet. Ouais, je m'en doute. Mais je vais en circuler doucement. Je sais. Je t'ai dit, je sais pas, je vais jamais ça.
Je m'en fous, je reste là. Moi, je reste là, c'est là. Je le sais. Toi-même, tu le sais. Zippy. T'inquiète pour moi, pote. Yo, Xnis 3. Comment ça va? Bah écoute, t'es sale, un accident, hein, apparemment. Hein. Poumon perforé, etc. Gings. Zaiko, merci pour ton follow. Putain. Bah, je suis désolé, mais voilà. En même temps, vous mettez tous des X dans vos pseudos, voilà. Xgniz. Tarwa. Voilà. T'es sérieux, Vito, s'il te plaît. Si tu veux, appelle Xgni. Excuse-moi. C'est comment tu dis Xgni? 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 Je t'appelle Xgni? Ah, Jenny, ok. Ok, désolé, Jenny. Ok, Xgni. Qu'est-ce que ça dit, Zaiko? Putain. Laissez-moi 5 minutes avec elle, s'il te plaît. D'accord, bah pas de soucis. Viens, comme ça tu veux me parler. Si il se passe quoi que ce soit, tu peux me transmettre, s'il te plaît. Merci. T'inquiète pas. Non, ça c'est trop. Voilà. C'est ça, s'il te plaît, pas toi. Allez, Rouge, j'ai tout perdu. Il me reste que toi. Eh, Brooke, je t'en veux pas du tout. Jules, merci pour ton follow. Si je te perds, j'ai tout perdu. Honoré, Derek, May. Maintenant, toi. J'ai vraiment pas envie de te perdre. T'es la seule chose qui me reste. Et quoi qu'il arrive, on sera toujours ensemble. Je pense qu'elle est un peu alcoolisée, elle est tombée. Et c'est du genre une crabe. C'est ça. Réponds-moi, s'il te plaît. Je t'aime, Jake. Moi aussi, je t'aime, ma soeur. Comment tu te sens? Mal. J'ai mal. Comme... C'est normal. T'as encore un accident de moto? De quoi? C'était sûr en fait. De quoi qui était sûr? J'ai pas compris. Pas que j'allais faire un accident. En même temps, tu sais toujours pas conduire, t'es ça. T'as 40 balais, bordel. Ouais. On a eu aucun appel, t'as fait un appel Samu? Il y a des gens qui en ont fait autant de moi. Hein? Deux. Il y a des gens qui en ont fait autant de moi. Deux. Ah, la musique est trop forte. Ça a été supprimé. Je vous laisse entre vous. Merci. Il y avait un premier appel, c'était accident de moto. T'es fait ça, tu vite. M'entends? Deuxième, c'était elle est en train de mourir, venez vite. Personne n'est... On n'a vraiment pas eu les appels. Ouais, je t'entends, mais... Il s'est passé quoi? Moskov, ça va quoi, mon ref? Comment tu te sens? Pas bien.
T'as encore mal quelque part? T'es ça? Un perforé, donc oui, elle a un peu mal. Ça va. Vous lui avez mis quelque chose justement pour pas qu'elle ressente la douleur? Normalement, oui. Ok. Ils l'ont perfusé. Ça fait poupou, mais ça va. Ah bon, tu nous as quand même fait un arrêt cardiaque là, t'es au courant? Bah, tu sais, c'est pas moi qui décide. Sache un truc, Jake. Si un jour mon cœur il arrête de battre, le tien prendra. Mais faut vraiment que t'arrêtes de dire n'importe quoi, t'es remplaçable. Comme on n'a jamais réussi à remplacer Raven. Ça va, hein, Moscova, hein, tranquille. Faut vraiment que t'arrêtes la moto, t'es ça. Oh, non, ça c'est autre question. Ça c'est... Alors, je peux te garantir que si je te revois sur une moto dans la semaine à venir, je te casse l'œil. Je t'assure que dès que je peux remonter sur une moto, j'y remonte. Ouais. L'essentiel, c'est que tu sois encore en vie maintenant. Il faut vraiment que tu arrêtes de prendre des risques comme ça. C'est des morts débiles. T'as 2100 berry? C'est clair, c'est cool. Je sais pas ce que tu peux faire avec 2100 berry. Je connais même pas c'est quoi les stats de mes points de chaîne, frérot. Va falloir que tu te reposes maintenant, t'es ça. Ah, tu peux rien faire malheureusement. T'as eu un poumon perforé, tu peux même pas sortir de l'hôpital. Je sais. Je suis une battante. Je sais que t'es une battante. Je t'avais toujours dit t'es bien plus forte que moi. Ça aussi je le sais. Non, mais t'as complètement raison. Repose-toi un peu. Faut que j'aille voir Derek, moi. Jack là il est au bout de sa vie. Jack là il est au bout de sa life.
Qu'est-ce que je fais, les gars? Je le bois ou je le jette? Jeté contre le mur, le verre zappé. Là, j'ai tout cassé dans le bureau. L'autre, si tu veux, ça va? Ça, il a eu un accident. Voilà ce qui se passe. Moi, ça va, les refs, hein, comme d'hab. Hein. Ça, il a eu un accident. Voilà, et après, t'as une petite fenêtre rouge qui apparaît. T'as prendre ou supprimer. Ouais, j'ai pas. C'est ça que le truc que j'ai pas. Bah, t'as un problème. Ouais. Mais j'ai toujours le problème, du coup. Mais... On va au mot la rouge pour Tessa. Non, 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 c'est hors de question, les refs. Ce serait incohérent. Ce serait incohérent avec mon perso. Là, je peux pas me quitter. J'ai trop de scènes à faire, les refs. Vous vous rendez pas compte, hein? Mais elle m'a quitté, ok. Bon. Les gars, vous rendez pas compte de ce qui s'est passé pour Jake, là, en fait. Oh là 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 là. Bah on verra hein. Oui dis-moi. Tu peux monter sur le toit vite fait. Franchement je suis avec Tessa, Jack, franchement on a rien à se dire vraiment. Si si je crois qu'il faut qu'on parle quand même. Non, on a rien, si. On a vraiment. D'accord, écoute. Écoute-moi 5 petites secondes. Se dire qu'on se quitte, c'est d'accord, il n'y a pas de problème, ok? Mais il faut qu'on se dise les choses en face quand même. Et en face à face. Donc il n'y a pas de. On n'a rien à se dire. Fais pas comme s'il n'y avait jamais rien eu entre toi et moi. Mais. Je pense que pour cacher des choses, t'es le professionnel, justement, Jack, pour cacher des choses. Donc, Je sais pas du coup de quoi tu parles. Donc ce serait bien qu'on en parle. Mettre 4 sur table. Ok, je termine avec Tessa, j'arrive. Ok. Je sais pas, bah en fait on s'est embrouillé hier, il y a eu quelque chose. Et là on sait pas, hein. Ça va chiche, bien comme mon ref. Si. On verra hein, si c'est fini ou pas les refs. Hein. Moi j'attends juste May, on va discuter et puis voilà. En fonction de ce qu'elle va me dire, on saura ce qui va se passer ce soir. Ouais, vas-y Moscov. En fait, si tu veux, hier, on s'est embrouillé parce qu'elle a dit, elle a laissé Honoré partir voir ses parents et Honoré, il est revenu, il avait pété un plomb, en fait. Et là, du coup, ça repart en couille, du coup. On verra ce qui va se passer par la suite, hein. Les gars, je reviens dans 30 petites secondes, ok? J'arrive dans un petit instant. Et du coup, pour Derek et Honoré, Jack leur a parlé ou pas? Non, justement, je vais faire ça ce soir. C'est pour ça que je vous ai dit, je peux pas me quitter, faut que je fasse plein de scènes.
J'arrive là dans 5 petites secondes. Je vais juste chercher une bouteille d'eau et j'arrive les refs. Je suis revenu au bon moment les refs. Je t'écoute. Je savais pas qu'il y avait qu'à moi de parler. Ah bah je sais pas, c'est toi qui me demande de monter. Bah ouais, mais t'as beaucoup de choses à me dire. Ah bah je t'écoute d'abord hein. Moi j'ai clairement même pas envie de te parler parce que après chaque discussion de toute façon tu vas te bourrer la gueule et après t'oublies tout ce qui se passe donc ça sert strictement à rien en vrai. Tu mens. Ouais. Tu fuis toujours les problèmes en allant te bourrer la gueule. Et toi c'est quoi ta manière de fuir les problèmes? J'en ai pas. Ah bon? D'accord. Et ta manière que t'as de te braquer à chaque fois? De te mettre en colère, retourner les situations, c'est pas une manière ça. Ah parce que c'est moi qui retourne les situations. Ah pour le coup, voilà. D'accord, ok. Tu vois, moi j'en ai beaucoup voulu pour Honoré. Alors je vais t'expliquer déjà mon point de vue par rapport à Honoré. Parce que j'ai l'impression que tu... Enfin, tu penses que je ne pense pas à toi, mais c'est clairement faux. Quand on est revenu de... Enfin, quand on était à Vegas, c'était vraiment pour repartir sur des bonnes bases, pour se dire que... qu'on essaye de vivre une meilleure vie. Malheureusement, on s'est rendu compte que les vacances étaient bien, mais que notre train-train de vie quotidien, il nous manquait, donc on a décidé de reprendre du service. Mais quand on est revenu, je sais pas si t'as oublié, mais... On a eu beaucoup de problèmes à gérer. Tu vois, tu étais assez dépité, assez fatigué, assez épuisé, assez que ce soit mentalement, physiquement ou peu importe. T'étais... Hein? Mais non, il y a reboot dans 5 minutes. Kaitan, ça va comment ref? Merci pour ton follow. En capacité d'entendre certaines choses. Et j'ai voulu te protéger justement en te disant rien parce que
Je savais que ça allait te faire mal autant que ça m'a fait mal moi. Comment le fils adoptif qu'on a sorti de la misère, qu'on a sorti de tout ce bourbier, on lui a tout donné, une maison, on lui a donné une vie, on lui a donné un appartement, on lui a donné une voiture, on lui a donné un travail, on lui a donné de l'amour, de l'affection. Et il décide quand même de retourner voir ses parents biologiques. Moi, ça m'a... C'est pas pour ça que je t'en veux. Laisse-moi finir. Ça m'a pincé le cœur, ça m'a meurtri au fond de moi. Et je me suis dit que si toi, tu le sais, ça va te tuer encore plus. Parce que entre moi et toi, le plus qu'il voulait adopter Honoré, c'était toi. Mais May, ce qu'il faut que tu comprennes une chose, c'est que je t'en veux pas parce que tu m'as caché ça dans le sens où t'as voulu me protéger. Là, c'était pas moi qu'il fallait protéger, c'était Honoré, tu comprends? C'est pour ça que tu m'en veux alors. Je t'en veux parce que t'as fait un mauvais choix. Un choix qui a fait que ton fils il est revenu aujourd'hui et qu'il est complètement ravagé. J'avais pas le choix. On a toujours le choix dans la vie, tu vois. Non. Et si t'as pas envie d'avoir le rôle la mauvaise personne, moi je l'aurais pris volontiers parce que c'est pour son bien. Oui, mais à partir du moment où il en ressent le besoin d'aller voir ses parents biologiques, je peux pas le forcer. C'est pas comme si qu'il avait 10 ans ou 15 ans où je pourrais le tenir à mes côtés en disant « Non, mon chéri, si tu vas les voir, tu vas souffrir, tu vas mourir. » Il a quand même 20 ans, c'est pas un bébé. Mais c'était trop tôt pour lui. C'était trop tôt ou pas, il est assez adulte et assez mature pour comprendre que c'était pas une bonne chose. Je lui ai dit, j'ai essayé de lui en dissuader en disant « Non, il faut pas que tu y ailles. » Mais... Déjà, moi, j'étais pas bien parce que je me suis dit, comment après tout ça, il ose me demander de revoir ses parents biologiques? C'est différent, c'est pas pour ça. C'est parce qu'il avait besoin de les voir après tout le mal qu'ils lui ont fait subir, tu comprends? Mais je pense que la chose qui a fait qu'il avait envie d'aller les voir, je pense que c'est à partir du moment où toi, tu lui as fait vivre la même chose. Donc c'est de ma faute? Non, je dis pas que c'est de ta faute. Mais justement, je voulais pas que cette conversation, justement, là. Et si je l'ai fait, c'était pour te protéger et pas parce que je te fais pas confiance. Et visiblement, de toute façon, quoi que je fasse, de toute façon, c'est jamais assez pour toi, de toute façon. Mais t'es tellement peu expressif, tu racontes rien, tu dis rien. Désolée d'être comme ça. J'essaie de tout prendre sur moi parce que j'essaie d'avoir une assez grosse carapace, mais... Et combien de fois je t'ai dit que c'était pas toi de porter ce poids sur tes épaules? Ouais, mais... Avec tout ce que j'ai vécu, je suis bien plus solide. Je peux largement encaisser les coups, y a pas de problème. Ouais, de toute façon, là, on n'est plus ensemble, donc quoi qu'il arrive, tu pourras supporter tes problèmes et je pourrai supporter les miens. Donc c'est sûr. Après, ce que Derek m'a dit, c'est bien plus sûr. Eh, Zabi. Putain. On y retourne les gars, c'est pas grave. Zabi. Bon bah, je sais que j'ai bien parlé. Parce que Jack il a pas menti, il a parlé avec le cœur. Ah, c'est bon, je me recours. Les gars, vous aussi, vous aimez trop les fruits ou pas? Wesh, mon Wari, ça va ou quoi, mon ref?
Putain. Les fruits, c'est la vie, les fruits. Vous devriez tous manger des fruits. Moi, avant, j'étais un gros porc. Je mangeais que des chips, des trucs comme ça. Maintenant, quand j'ai un petit creux, je vais manger une pomme. Une clémentine. Bon, pas la banane. Le soir, la banane, c'est pas bon, les refs. Ouais, les kiwis, c'est archi bon aussi. C'est plein de vitamines et tout. Bon, en ce moment, je suis full... Yo, la sicilienne, ça va? Tu vas bien? Tu vas bien? Docteur Jake, il est dans la sauce, là, Jake. Jake, il est dans la sauce. Ah ouais, les fruits, c'est la vie, les frérots. Bon, là, moi, j'ai hâte d'être à cet été pour manger du melon, de la pastèque. Tu sais, des fruits qui sont gorgés d'eau, bien frais, comme ça, là. Oh, putain, merde. J'essaie de me moquer. Frutti frutti. Non, c'est tutti frutti. Ah ouais, la pastèque, c'est la vida. Hein. Comment ça va, principessa? Jake, il est dans la sauce mayo, frère. Voilà. Elle l'a regardé dans les yeux, elle a dit comme c'est fini, Zepi. Zepi. Jake, il est dans la kharia, les refs. Par contre, celui qui arrive à me dire qu'il a trouvé une pastèque au mois de février, voilà, c'est un mahboul. Va bene, va bene. Putain, il est pas on le serveur encore. Désolé les refs. Hein. On se recoupe petit à petit. Celui qui me dit qu'il arrive à manger de la pastèque en plein mois de février, je l'insulte de menteur toute sa vie. Ah, normalement c'est bon. Mon fruit des clémentines, c'est ce que je suis en train de manger moi. Tu mens la sicilienne. Les meilleures pastèques que j'ai mangées, c'est pastèques d'Algérie. Après tu me diras, c'est pareil. Hein. L'Algérie, la Sicile, n'est pas si différent que ça. Hein. Bon, je me reconnecte au serveur les gars. Qu'est-ce qu'il y a? Bah quoi, moi je dis mon ressenti, chacun son point de vue. Je respecte ton point de vue, à toi de respecter le mien. Les pommes, c'est bon, de ouf. Moi, vous savez, c'est quoi mes pommes préférées? C'est les Granny. Les Granny Smith. Les pommes acides, là, les pommes vertes. Putain, qu'est-ce que c'est bon, sa mère. Mais là, les clémentines, c'est la fin de saison. Là, ça veut dire qu'elles commencent à être pas bonnes. C'est ça qui est dégoûtant. Est-ce que je les ai goûtés en Sicile? Non, pas directement là-bas. J'ai mangé celles d'Italie qui sont importées en France. Du coup, tu me disais. Je sais plus où j'en étais. Tu me parlais de Derek. Ouais, je pense que... Je pense que t'es très doué pour me cacher des choses, toi aussi, et à faire des retournements de situation. Je pense que t'as même le badge qui fait que... Je pourrais même dire que t'as un trophée, tu sais. Ah bon? Tu me fais passer pour qui, là? Je sais pas, à toi de me dire. Bah, je sais pas, tu fais des sous-entendus, tu vas pas jusqu'au bout.
Ah ben, je sais pas, il n'y a pas quelque chose que tu es en train de me cacher? Quelque chose de très lourd. Je vois pas du tout de quoi tu veux parler. Okay. De qui s'agirait de dire? De quoi tu parles? Non, mais si t'as rien à me dire, voilà, je pense qu'on va en rester là et... On n'en reste pas là, appelle un chat, tu dis les termes. Y a pas d'un chat, J'ai pas envie d'écouter. Écoute, non, parce que tu vois, tu me coupes, moi, je t'ai pas coupé, je t'ai laissé terminer, donc laisse-moi finir. C'est la moindre des choses, ok? J'ai rien à te dire, moi. Bah, visiblement, ça y est, tu me dis Derek, il t'a dit quelque chose, je sais pas quoi. Je te l'ai dit. Si, Si tu crois vraiment qu'il y a un minimum d'espoir pour qu'on se remette ensemble un jour, ça, c'est à toi de me dire ce que tu caches. Ah, elle est forte. Elle est forte. Et je dis bien, elle est forte. Un minimum d'espoir. Elle est forte, Zebi. Il y a bien quelque chose. Ouais. Et pour les mêmes raisons que toi, je t'ai caché ça pour te protéger. Pour nous protéger. Donc, t'avais pas suffisamment confiance en moi. Ça a rien à voir avec ça. Là, c'est exactement ce que t'es en train de me faire comprendre. C'est faux. Si. Là, c'est pas une question de confiance. Mais le retour de cette situation est trop fort. C'est une question de quoi? C'est une question que si Derek m'en avait pas parlé, jamais de la vie t'aurais sorti les vers du nez. Enfin, jamais t'aurais... Tu vois, si je t'ai caché la chose que j'ai faite avec Derek, c'était parce qu'au moment où ça s'est passé, toi et moi, c'était pas vraiment, vraiment la grande joie de 1. De 2, c'était l'époque où moi je commençais à partir. Arrête de me couper 5 minutes. Mais arrête de chercher des... Écoute, y a pas d'excuses. Après cette discussion, toi et moi, c'est fini, y a pas de problème. Mais faut que t'entendes. Vas-y, je t'écoute. Merci. Donc... Il faut recontextualiser la chose. Oui, vas-y, fais-le. Non, vraiment. Non, t'es vraiment en train de faire un retournement de situation. Il n'y a aucun retournement de situation. Mais j'assume ce que j'ai fait. Oui, j'aurais pas dû le faire et je te reprochais d'avoir fait quelque chose que moi-même j'ai fait. J'admets mes torts. Non, t'as fait beaucoup. J'admets mes torts. T'as non, je te parle. Pire. Sur le fond, oui. Dans la forme, non. Dans la forme, c'est la même chose. Non, pas du tout. C'est exactement la même chose. Je t'ai caché quelque chose afin de te protéger. Mais là, c'est pas de la protection que... Enfin, ça n'a rien à voir avec de la protection. Détrompe-toi. Ah, oui, ça va me protéger de quoi? De toi? Toi-même, de l'opinion que tu pourrais avoir de moi, de Derek. Mais clairement que oui. Parce que tu m'as juré que c'était fini et je me rends compte qu'en fait, non. Pas du tout, t'es autant c'est la fini. Personne que t'as été. Oui, c'est faux. Quand depuis c'est quand faux. Depuis c'est quand faux. Jusqu'à ce qu'il y ait une autre personne qui est contre non. toi. Mais si, tu vois, c'est exactement. Ça ton problème, c'est que tu veux pas laisser parler les gens. Alors je t'écoute. Merci. Encore une fois, je te le répète, écoute-moi. Après, tu fais ce que tu veux, tu prends tes clics, tes claques, c'est pas grave. J'ai vécu sans toi pendant des années, ça m'empêchera pas de vivre sans toi pendant des années. C'est comme ça que tu vois les choses? Non, non. Quand je fais des erreurs, je les assume, y'a pas de problème. Là, t'as tout dit. Écoute-moi 5 minutes, laisse-moi finir. Je quand t'as vu que le début du film, tu peux pas connaître la fin. Là, je pense que les paroles que tu viens de dire, elles ont été encore plus blessantes que ce que tu viens de me cacher, tu vois. Non, c'est parce que t'as pas compris le fond de ce que je voulais te dire. Donc comme je t'ai dit, quand tu connais que le début du film, essaie de suivre jusqu'au bout. Sinon, tu connaîtras jamais la fin. Je reconnais que ce que j'ai fait, j'aurais jamais dû le faire. Et tu vois, moi, quand je déçois quelqu'un, y'a pas de problème, je l'assume. Et si tu veux prendre ton envol, tu prendras ton envol, je te retiendrai pas. Pour la simple et bonne raison que j'ai fauté. Ok? Y'a pas de problème sur ça, je l'assume. Comme je t'ai dit, il faut recontextualiser la chose. Ce qui s'est passé ce jour-là, c'était qu'en 69, elle s'est fait agresser. Je sais pas vraiment si tu te rappelles de ça. Bien sûr que je m'en rappelle. Est-ce que tu te rappelles à quel moment ça s'est passé? Exactement, je m'en rappelle à quel moment qui s'est passé. Ça faisait combien de temps qu'on venait d'annoncer à Derek ce qu'on savait? Toi comme moi.
J'ai pas entendu, t'as dit quoi? Ça faisait combien de temps qu'on venait d'annoncer à Derek ce qui s'était passé avec Raven? Oui, mais c'est pas un souci. Écoute-moi, si c'est un souci, c'est un énorme souci. Non, parce que moi, Jake, tu te poses pas la question une seule seconde de savoir ce que j'ai pu ressentir, moi, à ce moment-là. Tu penses que j'y ai pris du plaisir? Tu penses que je suis un sadique, un maboule, un fou? On est loin de tout ça, là. On est loin de tout ça. Ouais, entre le moment où j'ai arrêté... Écoute-moi 5 minutes. Ne m'interromps pas, s'il te plaît, de la même manière que moi, je t'ai pas interrompu. Dès l'instant que je t'ai dit que j'avais arrêté, j'ai arrêté. C'est faux. Non, c'est pas faux. Il y a eu ce truc-là. Mais encore une fois, écoute jusqu'au bout. J'ai jamais retué qui que ce soit, si ce n'est ce fils de pute de Will Durant. D'accord? Et on était deux pour le faire. Quand ça s'est passé, quand Derek a vu 69 se faire agresser par cette espèce de clochard, sous merde, il est venu me voir. Et il m'a expliqué ce qu'il ressentait. J'ai essayé de le raisonner. Et là, tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, si t'es mon frère, si tu m'aimes vraiment comme tu le dis, et si tu tiens vraiment à te faire pardonner de ce que tu m'as caché par rapport à Raven, je veux que tu le fasses avec moi. On parle d'un moment où j'avais failli te perdre toi, où j'avais failli perdre Derek, Tessa et Honoré, le tout dans la même semaine. Au moment où j'étais prêt à tout pour défendre la famille. On parle de ce moment-là. Alors oui, j'aurais pas dû le faire, je te l'accorde. Mais tu vois, quand Derek m'a demandé ça, je pouvais pas ne pas le faire. Comme j'ai pu être impuissant pour Raven, tu comprends? Pas du tout. Que tu comprennes ou pas, c'est pas grave, au moins je te l'ai expliqué, t'as entendu mon point de vue. Là t'es encore chaud, je sais pas. Non, peut-être que tu comprendras de... plus tard, y a pas de problème. Alors je peux pas comprendre, parce que là, t'as fait quelque chose de grave, jusqu'à quand? Jusqu'à le prochain caprice de Derek ou le prochain caprice de Tessa? Ou le prochain caprice de Honoré? Il y aura pas de caprice, encore une fois, comme je t'ai dit, c'est encore petit. Ça va? Ouais, tranquille. Ok. C'est encore plus différent que ça, là. Là, je t'ai expliqué, oui. Je te recontextualise la chose. Ce Will, c'était pas un enfant de cœur. Et alors? Je sais. Tu penses que t'étais en droit de faire ça? J'étais pas en droit de le faire, mais putain, j'avais les couilles prises dans un cul-de-sac. J'avais l'impression que si je le faisais pas, je perdrais Derek. C'est ce que je viens de dire. Donc la prochaine fois qu'ils vont encore te menacer de perdre, tu repasseras l'acte. Alors que tu m'avais dit que c'était fini. C'était fini. Et je vais te dire un truc et je te l'ai toujours dit. Je te l'ai toujours dit. Non. Que pour la famille, je tuerais. Arrête. Je te l'ai toujours dit, arrête. Alors, pour la famille, tue-toi, pour la famille, va tuer des gens, oui, n'importe quoi. Non, je t'ai toujours dit que pour protéger la famille, je tuerai, il n'y a pas de problème. Et moi, quand Derek il m'a dit ce qui représentait 69 pour elle. Ah oui, elle représente quoi? Une meuf qui est en train de se foutre de sa gueule. Aujourd'hui, et qui... ça, on le sait. Aujourd'hui, oui, on le sait, oui, mais au moment M où ça s'est passé, on ne le savait pas. Pour lui, oui. Va dire à 69 ce que ça fait pour elle. Pour lui, oui, c'était vraiment important. Non, c'était pas important. C'est pas ce qu'il m'a dit, enfin bref. Ouais, écoute. Mais voilà. Elle est pas si importante que ça. Parce que... Aujourd'hui, non. Mais au moment où ça s'est passé, malheureusement, Derek, il la sentait importante à ses yeux. Ouais. Donc ça veut dire que demain, s'il a encore un petit coup de cœur pour une personne aussi conne que ce sera pas dans le même contexte. Écoute-moi. Oui, mais c'est ça. Écoute-moi, en fait, avec toi. Mais... Oui, tu vois, t'es trop têtu, en fait. Tu veux pas écouter ce que je te dis. Je suis pas têtu. Tu es en train de me dire. Je suis pas en train de te dire c'est faux ce que tu dis, c'est faux. Non, j'admets mes torts. Oui, t'admets tes torts, mais si. Je t'explique juste le contexte de la chose. Et t'oses venir me dire que moi je t'ai fait. Que je t'ai fait ci et je t'ai fait ça et je t'ai caché ci et je t'ai caché ça. Alors que ce que tu m'as caché toi, c'est encore pire. C'est quelque chose de grave. Je t'aurais perdu à jamais si je l'avais dit à ce moment-là. Bah là, c'est ce que tu as gagné de toute façon. J'ai bien cru comprendre. Et je regrette rien, mais ça m'aura permis de vivre bien des choses avec toi.
Maintenant, je vais te demander une chose. Toi et moi, c'est fini, y a pas de problème. Je l'accepte. Je dis pas que ça me rend pas triste. Bien au contraire. Mais je veux pas qu'on se fasse la guerre. Chacun sa vie, ok. Mais je veux pas qu'on fasse comme si on était des étrangers. Ça, je veux pas. Tu peux pas me demander d'être ami avec toi, c'est pas possible. Après tout ce que t'as fait, non. J'ai plus l'image de... De Jack, la personne dont je suis tombée amoureuse. C'est clairement différent. Je suis pas différent. Ah si, clairement. T'as... Je pense juste qu'on s'est aimé à s'en détester. Deux secondes, s'il te plaît. Ah les gars, c'est chaud pour Jake là. Hein. Bon bah les couilles, je me suis grave bien défendu. Je sais pas, vous voyez pas les annonces. Y a peut-être quelque chose à faire, non? Et les autres aussi, allez, tout le monde, allez sur les lieux, apparemment il y a une grosse explosion. Je suis dans la sauce les refs. Oui, mais les autres. Bon, c'est bon, je vais y aller. On aura cette discussion après. Ah bon? Bon bah voilà. Hein. Bon bah maintenant, go appeler Derek. Hein. En tenue combat, je crois, je vais aller casser la gueule à Derek. Je vais même pas lui en vouloir à ce trou du cul en vrai. Eh, vas-y, Ferry, c'est pas le moment, mon ref. C'est carrément pas le moment. Ou bien une équipe va sur l'appel, l'autre et le reste va de l'autre côté. Enfin, il faut vraiment qu'on trouve une solution pour qu'on soit le plus possible sur l'appel. Patron ? Jake, il garde la tête fort. Ouais, qu'est-ce qu'il y a ? Ça va mieux ? Pourquoi ça irait pas? C'est pas comme si j'avais été perdu. Je sais. Mais vous inquiétez pas, boss, ça va aller. Qu'est-ce qu'il y a, Ferry? T'es vraiment au bout là? T'es où? Pourquoi? Il faudrait que je te parle. Bah si on voit une pause, on se voit. Non, toi on voit la pause. Bah là je suis un peu à côté de l'assurance, tu veux qu'on se voit où? Je vais venir te rejoindre, viens me chercher à l'hôpital. Vas-y, t'es où à l'hôpital? Si je te dis de venir me chercher à l'hôpital, c'est que je suis à l'hôpital. J'ai pas entendu, y'a un truc de réseau qui bug là, pour ça, j'arrive. Ok, vas-y. Patron, vous avez un mail que je vous envoie les dispatchs avant, rapidement? Pardon? Vous avez un mail que je vous envoie le tableau des dispatchs ou pas? Jake.williams@gmail.com. Ok, je vous envoie ça tout de suite. Merci. T'es un tueur, Ferry, là. La Ferry, t'arrives, c'est la merde hein, pour Jake. Hein. La Jake, il a envie de tout envoyer péter, la Jake. C'est
C'est vraiment un trou du cul, Derek. Mais pourquoi? J'ai pas compris, mon reste. Qu'est-ce qu'il y a? Ah ouais, il est sérieux, ça sait pas ce que c'est. Mais non, c'est pas le moment, Ferry, voilà, arrête de faire le suicidaire, Zepi. Le drama pour ce soir, j'ai donné, hein. C'est pas fini encore, hein. T'es ça, là, il y a eu le truc avec May, là, je vais faire le truc avec Derek, ça fait beaucoup, hein. Pour la voiture vitale, c'est ici. Allez, viens, on se casse d'ici. On m'a pété ma portière, je suis obligé d'aller le dire. Là, tout de suite, ici. Bah, appelle le mécano. C'est la merde pour deux éclaireurs. Ah, désolé les frérots. Bah Elise, j'ai faim, ça me saoule. Attends demain matin, tu verras. Ton repas, il sera que meilleur. Demain, voilà. Là, les gars, Derek, je vais lui faire le cul, je crois. Bien qu'on aille parler dans un endroit un petit peu plus discret. Ethan, merci, ça va, tu vas bien, la pêche? Merci pour ton follow, mon ref. Désolé, j'avais même pas vu que tu m'avais follow. Bon bah, go les 800 ce soir, les gars. Je me doute bien de ce que tu veux me parler, Jake. Arrête avec ton petit sourire à la con, je te jure, c'est pas maman. Grave.